Si tu me vois chanter, c'est parce que la gloire de Dieu a débordé. Si tu me vois sourire, c'est parce que la gloire de Dieu a débordé. Elle a débordé, elle a débordé. C'est parce que la gloire de Dieu a débordé. Eh oui! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Matin d'Afrique. Si tu me vois parler, si tu me vois sourire, si tu me vois à l'écran ce matin, c'est parce que la grâce de Dieu, je dirais, a débordé. Et oui, la grâce de Dieu a débordé car notre Seigneur nous fait encore la grâce ce matin d'avoir le souffle de vie. Et j'espère en tout cas que ce matin vous êtes bien réveillés et que de là où vous êtes, vous suivez la chaîne des bénis, la meilleure des chaînes panafricaines et vous faites très très bien. Alors, Matin d'Afrique ce matin, on va recevoir d'un moment à l'autre son consultant. Et puis juste après, nous aurons la deuxième rubrique de cette émission qui est Espace Annonce, où vous aurez des personnes qui viendront communiquer sur leurs différents événements concernant cette semaine. Donc restez connectés. Nous allons vous permettre de mieux vous installer avec une première oxygénation musicale qui vous donnera certainement la bonne humeur que vous attendez. Et puis juste après, nous revenons sur notre plateau pour recevoir le prophète Herman Kouadio. Allez, c'est parti. Chante, Seigneur, yo Seigneur, pour ta victoire, chante, Seigneur. Il a pris ton fardeau au pied de la croix, chante, Seigneur. Il a pris ton infirmité à Golgotha, chante, Seigneur. J'ai vu les merveilles de mon Dieu, il a détruit les œuvres de Satan. Il nous a donné la victoire, et c'est pour cela que nous chantons. À la croix, il a payé le prix, en donnant sa vie, en sacrifice. Et ainsi, les chaînes sont brisées, et c'est pour cela que nous nous réjouissons. On sait Satan, il nous a donné la victoire, et c'est pour cela que nous chantons. Elio, m'as-tu abandonné? Dans la souffrance, la maladie, l'adversité, non, 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 Emmanuel est là. Lift him higher, elevate him.
Allez, pour toutes ces personnes qui viennent juste de nous prendre en marche, vous suivez Matin d'Afrique, hein, c'est votre matinale habituelle sur la chaîne des Bénis. Et puis cette émission est réalisée des mains de maître par le chef Yao Kwadio, l'homme de Tout Maudit. Alors je voudrais faire un gros coucou à toutes ces personnes qui nous suivent depuis Tout Maudit. Voilà, Tout Maudit et alentour de Tout Maudit. Je vous salue ce matin, merci de rester connectés. Et puis je voudrais faire un gros coucou également à une maman qui nous suit depuis la Guinée. La Guinée Conakry, la Guinée équatoriale, toutes les femmes de là-bas. Merci de rester connectés à la chaîne des Bénis. Je vous l'avais annoncé, notre très cher consultant du jour, le prophète Eman Kwadio, est là, il va s'installer et puis vous communiquer en tout cas quelque chose de fort ce matin. Prenez vos stylos, prenez un cahier et prenez note. Prophète Eman Kwadio, bonjour. Bonjour Madame Kofi. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis, je l'avais dit aux téléspectateurs hein, qui sont très très bien assis, attentifs et attentives à ce qui va se passer ce matin et maintenant même. Oui, aujourd'hui nous parlerons de provoquer Dieu. D'accord. Voilà, quand je dis provoquer Dieu, ce n'est pas dans le sens, négatif, hein, la colère de Dieu. D'accord. Mais c'est dans le sens d'amener Dieu à se manifester pour nous, quand bien même peut-être qu'il n'avait pas prévu le faire. Mm. Voilà. En fait, ouais, il nous arrive souvent d'avoir nos sujets de prière à cœur. Nous prions de façon standard, mais souvent on ne voit pas l'exaucement. Quand tu as cette phase-là où tu as fait tes prières de façon standard, quand je dis façon standard, c'est-à-dire que tu fais tes prières normales, mais jusque-là tu ne vois pas la main de Dieu. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles au-delà. Et vous voyez, dans l'exemple, dans la Bible, il y a l'exemple du roi Salomon. Mm. 1 Roi chapitre 3. La Bible dit que Salomon vient d'être intronisé roi. Et la même nuit, Dieu se présente à Salomon pour lui demander « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Vous voyez, généralement, c'est nous qui allons vers Dieu pour demander des choses à Dieu. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Salomon qui va vers Dieu. C'est Dieu qui se déplace pour venir vers Salomon pour demander à Salomon « Qu'est-ce que tu veux ?» Tu vois que quand tu atteins cette phase-là, tu as gagné beaucoup. Déplacer Dieu pour venir jusqu'à toi pour te demander « Qu'est-ce que tu veux ?» C'est que tu as déjà atteint le niveau. Et la Bible dit, Salomon va répondre à Dieu, je veux l'intelligence, je veux la sagesse pour pouvoir diriger ton peuple. Et Dieu va lui donner au-delà de ce qu'il avait demandé, il va lui donner encore la richesse en abondance. Vous voyez, le père de Salomon, c'est David. Chaque fois que Dieu devrait parler à David, Dieu est passé par un prophète. Mais pour parler à Salomon le fils, Dieu se présente lui-même à Salomon. Ça veut dire que Salomon a réussi à faire quelque chose que son père David n'avait pas fait. Et quand nous lisons 1 Roi chapitre 3, la Bible dit, quand il est monté sur le trône, il a fait 1000 offrandes, 1000 holocaustes à l'Éternel. Voilà. Donc, certainement que Salomon a réfléchi pour dire qu'est-ce que je peux faire pour marquer l'esprit de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu me considère au-delà de la considération qu'il a déjà pour moi. Et vous voyez que la Bible dit il n'y aura pas de roi plus riche que Salomon, ni avant ni après, y compris son père David. Il n'aura pas d'homme intelligent, ni avant ni après, y compris son propre père David. Ça veut dire qu'il a réussi à monter un certain niveau. Qu'est-ce que je veux dire à l'église ce matin? Je veux dire à l'église qu'il faut que tu apprennes à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Des choses dans lesquelles Dieu n'a pas l'habitude de te voir. Si par exemple quelqu'un a l'habitude de faire 3 jours de jeûne et ton sujet n'est pas exaucé, ça veut dire qu'il faut que tu ailles au-delà de tes 3 jours de jeûne. Il y a quelqu'un qui a fait cette phrase avec sa maman, qui a dit « Je serai en jeûne jusqu'à ce que Dieu m'exauce ». Et moi, j'ai compris que son exaucement n'allait pas tarder. Parce que quand quelqu'un prend une telle décision, tu amènes Dieu à venir vers toi. Tu amènes Dieu à venir vers toi. La Bible dit, David, c'était prochain. David dit, je ne mange pas jusqu'à ce que Dieu arrive. Et il, en 3 jours seulement, Dieu s'est révélé à David pour parler. Vous comprenez un peu, ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'on a des sujets de prière qui nous tracassent l'esprit. Il faut qu'on apprenne à réveiller Dieu. Il faut qu'on apprenne à provoquer Dieu. Et quand je dis provoquer Dieu, ça peut être par ton offrande. Si tu as l'habitude de donner 1 million et que tu es celui qui te tient à cœur, tant que chaque fois que tu donnes 1 million, tu es toujours dans la normale. Il faut que tu ailles au-delà. Le roi Salomon. C'est faire en fait ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà. Fais exagérément même. Ah, voilà. C'est-à-dire, ne sois même pas. Il faut exagérer. Voilà, ne sois même pas proche de ce que tu n'as pas l'habitude de faire. C'est-à-dire, si, comme je donnais l'exemple, si quelqu'un donne 1 million à Dieu d'habitude et que tu veux que Dieu, par exemple, te nomme ministre et que tu as des promesses qui placent sur ta tête mais que tu ne vois pas. Il faut que tu ailles au-delà de 1 million. Mmh. Voilà, tu as l'habitude de faire une veillée de prière chaque mois et que tu veux voir Dieu. Mais dis-toi, je ferai cette fois-ci 3-4 veillées de prière dans le mois. Mmh. Si tu as l'habitude de jeûner peut-être une journée par semaine, il faut que tu dises, bon, cette fois-ci, là, je vais faire une semaine de jeûne non-stop. C'est-à-dire, provoque Dieu. Amène Dieu à te demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? La Bible dit, Daniel dit, pour que la prophétie soit accomplie, Daniel dit, je ne mange pas pendant 21 jours.
Et Dieu se révèle à Daniel. Parce que 21 jours, on ne voit pas Daniel en train de manger. Dieu est obligé de se déplacer. Donc, il y a des fois où Dieu nous regarde et Dieu nous attend que nous venions vers lui. Mais il y a aussi des actions que nous posons qui amènent Dieu à se déplacer vers nous. Et c'est de ça que je veux parler ce matin. Ce n'est pas parce que Dieu ne te voit pas, ce n'est pas parce que Dieu ne voit pas ta souffrance, mais certainement que Dieu veut que tu ailles au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Dieu veut que tu bouscules un peu. Dieu veut que tu déranges un peu son royaume. Vous voyez, la Bible dit Dieu est assis sur son trône. Il faut que tu fasses bouger le trône de Dieu par ta prière. Il faut que tu fasses bouger le trône de Dieu par ton offrande. La Bible dit, un homme comme Gédéon a dit à Dieu, attends-moi. Je m'en vais chercher mon offrande, je reviens. On ne peut même pas dire à son propre patron, attends-moi. C'est ça. Non, on ne peut pas dire à son grand frère, attends-moi, ni à son père. Mais Gédéon a le courage de dire à Dieu, attends-moi. Et Dieu l'attend. Parce que Dieu sait qu'il venait faire une offrande agréable à l'Éternel. Donc Dieu s'est arrêté jusqu'à ce qu'il parte, qu'il revienne avec son offrande. Donc je veux qu'un chrétien me comprenne ce matin. Et généralement, on est prêt à tout faire sauf donner à Dieu. Ça aussi, voilà, l'exemple de le verset de base que j'ai pris, c'est ce sont des offrandes que Salomon a pu faire pour bouger le trône de Dieu. Voilà, souvent quand on prêche ce message, le chrétien dit, bon, je vais jeûner, je vais prier, mais il refuse de mettre la main à la poche. Si ce n'est pas ton offrande que tu dois bouger quelque chose, fais ton offrande à Dieu. Amen. L'argent, je dis souvent, l'argent, ce n'est rien. L'argent n'est rien par rapport à la bénédiction que tu vas recevoir de la part de Dieu. Qu'est-ce que Salomon devait faire? Il était déjà devenu roi. On peut dire qu'il est déjà exaucé, mais malgré sa position-là, il est encore provoqué Dieu en lui faisant des offrandes. Donc, quel que soit le niveau que tu atteins, tu es marié, tu as déjà tes enfants, tu as déjà ton travail, ça ne t'empêche pas de faire des offrandes à Dieu. Ça ne t'empêche pas de bouger le trône de Dieu par des offrandes. Quel que soit, tu peux penser que tu es déjà arrivé, mais avec Dieu, on n'arrive jamais. Regardez par exemple, Salomon est devenu le roi au-dessus de tous les rois, si je peux m'exprimer ici. Donc, je veux que quelqu'un comprenne ce matin que la grâce de Dieu doit être sur ta vie. Et cette journée-ci, Dieu te permet d'entendre ce message-là, c'est parce que Dieu veut que tu bouges son royaume. Dieu a besoin des chrétiens qui se distinguent. Paul s'est distingué et des hommes de Dieu sont distingués dans la Bible. Je veux que tu te distingues à partir d'aujourd'hui et je veux prophétiser que ta distinction déclenche quelque chose dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je veux prophétiser que le fait que tu provoques Dieu déclenche l'exaucement à ta prière. Amen. Tel que Dieu a toujours répondu aux hommes de la Bible quand ils l'ont provoqué, quand tu le provoqueras, je déclare que cette semaine, la réponse à ta prière soit à ta portée au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète Eman Kwadio. Donc, soyons des hommes et des femmes de distinction. Soyons uniques en notre genre, même par nos offrandes. Il faut faire lever le Seigneur de son trône pour que notre situation puisse changer. Merci infiniment, homme de Merci Dieu. Merci à vous. On se retrouvera par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Portez-vous bien. Et puis, nous allons y aller avec une petite transition musicale. Le temps pour nos invités de la direction commerciale et marketing de s'installer. C'était à Golgotha que tout s'est passé. Oh, Golgotha, t'es fille d'un fils de Dieu. Il était seul abandonné, humilié et flagellé. C'était à Golgotha que tout s'est passé. C'est nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qui s'est chargées. Oh, Golgotha, j'ai vu le Fils de Dieu. Il était seul abandonné, humilié et flagellé. C'est nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qui s'est chargées. C'est nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs. Qui s'est chargé, châtiment qui donne la paix. Christ l'a pris, le châtiment qui donne la paix. Christ l'a pris. Oh, Golgotha, j'ai vu le Fils
Espace Annonce démarre avec nos invités de la direction commerciale et marketing, comme on vous l'avait annoncé. Et je suis en compagnie du prophète Oracle Leader et le prophète Jérémy Leader. Et puis, nous avons un troisième homme de Dieu, le pasteur Joël Nguessan, tout droit de la part de la Mecville, la cité de la prospérité de Docui. Prophète Oracle, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Prophète Jérémy Leader, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et puis, le pasteur Joël Nguessan, bonjour. Et puis, avec vous trois, nous parlons d'une grande veillée de prière et de évangélisation qui se passera du côté de Docui. Oui, effectivement, nous voulons saluer toute la population de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan également. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de son éminence, l'archevêque Kodjaki Vincent. Nous voulons bénir le Seigneur également pour la vie d'un leader qui est en train de faire un travail assez remarquable au niveau du Docui. Mmh. C'est le prophète des nations, Salomon David. En effet, nous sommes là ce matin pour annoncer un événement. L'événement qui est la veillée de toutes les veillées, la veillée de la démarcation, la veillée de la gloire, où quelqu'un aura son témoignage. Vous savez, la Bible dit que Jésus a multiplié le pain la nuit. Donc, cette veillée-là sera la veillée dans laquelle Dieu va apporter une multiplication, une grâce à la vie de quelqu'un. Le thème de la veillée, c'est une génération, un chemin, une victoire. Pourquoi une génération? Parce que quelqu'un doit prendre conscience, comme Gédéon, que ce n'est ni son père, ni sa mère, ni son oncle, ni son grand-père qui va faire sortir sa famille de cette situation qu'elle traverse. Mais c'est toi qui m'entends, c'est toi. C'est pourquoi nous te convoquons ce vendredi 28 avril à cette veillée pour que l'Éternel fasse des choses dans ta vie de manière extraordinaire. Voilà, pour que l'Éternel fasse des choses dans ta vie de manière extraordinaire. Et bien sûr, il y aura un thème autour duquel cette veillée sera faite, n'est-ce pas? Oui, effectivement, le thème c'est une génération. Un chemin, une victoire. Mmh. Parce que quelqu'un a besoin de victoire. D'accord. Jésus a vaincu, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vaincre. Alors viens, tu recevras ta victoire au nom de Jésus. D'accord. Additif avec le prophète Jérémy Leader, qu'est-ce qu'on doit savoir encore? Où est-ce qu'est située l'église? Ok. Concernant la situation géographique du programme, l'église est située au Docui, extension en face de la pharmacie Les Quatre Saisons, précisément, qui concerne la situation géographique. D'accord. Est-ce que vous avez un appel à lancer? Bien entendu, je suppose, puisque vous êtes sur la chaîne des Bénis, c'est pour inviter plus d'une personne, pas seulement la population du Docui, mais plus d'une personne à se rendre à cette grande veillée de prière-là qui se passera, je rappelle, c'est ce vendredi. Oui, effectivement, ce vendredi. Nous D'accord. voulons inviter tous les malades. Alors, je vais véritablement peser mes mots pour dire à quelqu'un, tu es désespéré, tu es fatigué. Peut-être que tu as ton parent qui est à l'hôpital. Prends ce parent-là, viens à cette veillée. Parce que Dieu utilise un serviteur, Dieu utilise quelqu'un qui l'a mis à part, c'est le prophète des nations, Salomon David, à qui Dieu a donné la grâce de la délivrance, la grâce de la délivrance autant pour moi, la grâce de la guérison. Alors nous devons convier tous ceux qui traversent des moments difficiles, des temps de blocage, des temps où, je veux dire, l'esprit de mort te fatigue, l'esprit de la sorcellerie, ce soir-là sera le soir de ta délivrance. Amen. Et quelque chose va se produire dans ta vie. Parce que Dieu fait encore des miracles, il n'a pas changé. Alors nous te convions ce vendredi 28 avril. Allez, les contacts à présent. Ok, les contacts sont donnés déjà. Le 05 70 48 21 40 88 93 82 47 77 95. Merci beaucoup, prophète Oracle, l'idée d'être passé sur ce plateau. Prophète merci. Jérémy Leader, merci d'être passé sur ce plateau. Amen. Pasteur Joël Nguessan, merci également à vous d'être passé. Je rappelle que vous nous venez de la Mecville, la cité de la prospérité de Docui. Nous parlions d'une veille de prière qui se tiendra le vendredi 28 avril 2017, à ce le coup de 21h, donc de 21h jusqu'à l'aube. Pour plus d'informations, il faut juste taper le 00225, le 05 70 48 21, 00225, le 40 88 93 82. Et enfin, le 00225, le 40 17 77 95. Passez une agréable journée, homme de Dieu. D'autres invités s'installent. La mission Ephrata est installée et nous recevons le prophète Dembélé Kanon qui est installé, bien entendu. Avec lui, nous parlons d'une conférence, la conférence des leaders. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis, je le disais tantôt aux téléspectateurs, nous parlons de conférence des leaders. Conférence des leaders, il faut dire encore que la mission Ephrata ouvre ses portes à cette plateforme pour la troisième fois en cette année 2017. Et à cette occasion, l'infatigable formateur
l'apôtre Zacharie Adetola nous fait l'honneur encore de venir apprendre à ses pieds et aux pieds de certains serviteurs de Dieu qu'il a décidé de déplacer. Ce sont des écoles qui déplacent parce qu'il a à cœur la formation des leaders dans cette nation. Et donc, la mission Ephrata organise avec New Wine International qui déplace le pasteur Michael Olaoué qui vient de Londres, qui a aussi une grande école de formation, surtout dans le leadership et dans aussi le management. Mm-hmm. Et le thème, c'est l'étape suivante. Vous savez, quelle que soit l'étape que vous avez atteinte jusqu'aujourd'hui, vous devez savoir que Dieu est un Dieu de perfection. Il a travaillé pendant 5 jours, il a dit c'est bon. Au 6e jour, il a dit ça, c'est très bon. Donc, quelle que soit l'étape que vous avez atteinte aujourd'hui, vous devez savoir que Dieu veut que vous soyez excellent, que vous allez à l'étape suivante. C'est pourquoi l'apôtre a bien décidé de recevoir tous les leaders, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs et même les hommes d'affaires. Parce que dans le domaine des affaires, il y a aussi des secrets que la Bible nous donne pour qu'on puisse progresser et prospérer dans les affaires. Donc, rendez-vous est pris. D'accord. Donc, rendez-vous est pris. Et cela va se passer quand exactement? Du 2 au 4 mai. Du 2 au 4 mai? Oui, à la Cité de l'Évangile et du côté de la Riviera Palmeraie. Voilà, au Carrefour à Bata. Derrière la cité Génie 2000. Mmh. Est-ce qu'il y a des commodités à remplir? Oui, tout à fait. Tout simplement pour dire aux leaders que c'est complètement gratuit, l'entrée est libre. Ils n'ont qu'à se préparer pour venir à cette rencontre. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que le pasteur Michael Olaroy est un homme de pointe dans cette dimension à Londres. Il y a à son actif la préparation de beaucoup de serviteurs de Dieu et d'hommes d'affaires qui ont excellé dans les affaires par les stratégies qu'il a données. Et je pense qu'il est important de venir à cette conférence et de pouvoir se frotter à lui. Ce sera une bénédiction pour tous les leaders. Amen. Une bénédiction pour tous les leaders. Quand vous parlez des leaders, vous parlez uniquement des hommes de Dieu ou de quelqu'un qui a appelé un jour à prendre la tête d'une société, d'une entreprise? Tout à fait. Des chefs d'entreprise et ceux même qui sont en entreprise. Parce que le but, c'est de pouvoir donner des stratégies pour pouvoir exceller dans la vie, pour aller de l'avant. C'est pourquoi même déjà à cette conférence, il y aura plusieurs sessions. Il y aura une session, le séminaire des pasteurs et des leaders, la réunion des jeunes leaders qui veulent émerger, donc voilà, et puis aussi la réunion des entreprises et des dirigeants d'entreprises. Donc tous ceux qui sont en entreprise, c'est une plateforme pour vous. Rappelons au passage que Moïse, le grand serviteur de Dieu devant l'Éternel, a eu besoin des conseils de Jéthro, qui était sacrificateur de Madian. Donc il y a des stratégies qu'il faut connaître dans la vie pour évoluer. Et c'est très important. Merci beaucoup, homme de Dieu, d'être passé sur ce plateau. Nous allons laisser à présent les contacts pour tous ces pasteurs-là qui voudraient, en tout cas, tout leader qui voudrait, en tout cas, appeler pour avoir plus d'informations. Oui, les contacts, c'est le 07 95 31 00, 07 95 31 00, 07 09 25 53, 07 09 25 53. Merci, prophète Dombélé Canon, d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Merci. Et puis, je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous étiez sur ce plateau pour parler de conférence des leaders avec pour orateur l'apôtre Zacharie Adetola, le pasteur Michael Alaoré, voilà, qui viendra également pour cette conférence. Et puis, il faut appeler au 00 225 au 07 95 31 00. 00 225 au 07 09 25 53 pour plus d'informations. Passez une agréable journée. Le révérend pasteur Koumo est installé. Avec lui, nous parlons toujours de séminaires de formation. Bonjour, pasteur Koumo. Bonjour, Rich. Bienvenue, merci pasteur Koumo. Et puis, quelles sont les news pour cette semaine? Alors, pour cette semaine, nous avons deux événements de taille. Mm-hmm. Un événement au niveau d'Abidjan, c'est le 1er mai, et à Siofri, le 5 mai. Alors, il faut dire que nous voulons former, nous voulons toujours accompagner dans le souci d'aider toujours le corps de Christ. Nous voulons organiser ce séminaire et même au-delà de Christ, parce que nos frères musulmans et autres ont besoin, et les chefs d'entreprise, parce que souvent aujourd'hui, prendre la parole en public, ce n'est pas une chose aisée. On a vu plusieurs personnes qui étaient frayées face à une caméra. Alors, nous voulons les amener le 1er mai, lundi 1er mai, fête de travail. Pour cette occasion, nous voulons leur donner cela pour qu'ils viennent et qu'on va leur montrer les techniques, comment il faut diminuer le trac, comment il faut gérer le stress. Tout cela, c'est le 1er mai, lundi 1er mai. Nous avons besoin de tous les frères, tous ceux qui nous suivent. Ce n'est pas une affaire coloration et religion ou tout cela, mais c'est une affaire de connaissance et de votre image. Donc c'est pourquoi nous aurons des thèmes à traiter comme l'art oratoire, comment faire un discours oratoire. Tout cela va avec quelque chose que vous devrez connaître et pouvoir vous exprimer librement et ne plus avoir peur. On a vu des gens, ils parlaient tranquillement, on dit « Bon, voilà, telle personne va nous faire diriger telle réunion. » La personne ne s'est plus retrouvée.
Il a oublié son nom, il a oublié tous ses mots. Mm-hmm. Donc, c'est pourquoi nous voulons organiser ce séminaire. Donc, nous invitons tous ceux qui nous suivent à venir. Le coût du séminaire, c'est 15 000 francs. Et puis, vous aurez un diplôme de participation. Les fascicules, vous pouvez les acheter. Alors, c'est pourquoi nous voulons le faire. Où ? À Cocody-Saint-Jean, au CIRES. Donc, nous invitons tout le monde. Ce n'est pas exclu. Bon, souvent, les gens me disent, bon, comment on parle de... C'est normal. Il faut que ça parle de quelque part. Ça peut être un frère chrétien. Alors, mais au-delà, nous invitons tout le monde à participer à ce séminaire. Voilà. Maintenant, au niveau d'Assiofri, nous invitons les chefs d'entreprise, nous invitons les directeurs d'école, nous invitons les enseignants, les présidents d'associations, les présidents de coopératives, tous ceux qui ont une activité, qui dirigent des gens, c'est toutes ces personnes que nous voulons rencontrer et nous allons leur apporter tout ce qu'il faut. Donc voilà un peu de façon ramassée et succincte que nous voulons apporter à la connaissance de la population. Merci beaucoup, pasteur. Comment les contacts? 59 55 06 69. Le 02 11 33 92. Merci Pasteur Kouma, je te souhaite de passer une agréable journée. Bien entendu, c'est avec toi que j'achève ce numéro de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. Cette émission a été la fin de Yao Kwadio à la réalisation. Nous avons eu Agathe Julie Yapo, cadrage, et puis bien sûr Rebecca. Nous avons eu Adsin Armel, nous avons eu également ingénieur de son, Monsieur Atsi. On se donne rendez-vous demain sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Mais ne zappez surtout pas, car nos programmes se poursuivent sur la chaîne des Bénis, Béni TV. The Blessing Channel. Passez une agréable journée. À demain. Yeah.